Et pour commencer, on peut regarder déjà Jésus lui-même, qui est lui-même un modèle de prière, puisque dans sa bonté, Dieu nous a envoyé non seulement un sauveur qui est venu prendre sur nous nos péchés, mais aussi son fils qui a pris notre humanité et qui est venu nous montrer par cette humanité justement ce qu'est un homme accompli, comment accomplir pleinement notre humanité en devenant à notre tour fils de Dieu. Et du coup, on peut regarder justement dans l'Évangile la façon, lui-même, le rapport que j'ai eu à la prière pour essayer de le prendre comme modèle. Et ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, dans l'Évangile de Marc, on peut voir qu'au début du récit du ministère public de Jésus, on a le récit d'une sorte de journée type de Jésus. Et voilà ce qu'il nous est dit. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Et ensuite, l'Évangile raconte que ses disciples viennent le chercher pour qu'il aille prêcher dans les synagogues, chasser les démons, guérir les malades, etc. Mais on peut voir du coup que dans la journée type de Jésus, cette journée type commence justement par ce fait de se retirer à l'écart, loin de ses disciples, dans un lieu désert, pour prier. Et on peut un peu se demander pourquoi Jésus a besoin de prendre ce temps à part, alors que, a priori, dans sa nature divine, il est uni au Père déjà. Mais je pense que par là, elle nous montre aussi que notre nature humaine, en tout cas, a besoin justement de ces moments où nous nous retirons pour entrer dans un cœur à cœur avec Dieu. Elle nous montre que nous avons justement besoin de ce temps quotidien où on se retire dans le désert de notre cœur, où on peut rentrer au plus profond de nous-mêmes pour rencontrer Dieu. Et donc, ce que nous apprend un petit peu l'Évangile, c'est d'une part que nous avons le même besoin de ce temps quotidiennement et qu'il est important de bloquer un moment pour la prière, justement, dans notre vie de tous les jours. Tout comme l'emploi du temps de Jésus aussi est bien organisé, et où on peut voir qu'il met la prière en première place, on peut se demander aussi si nous, on le compte parmi les indispensables de notre journée, sans bien sûr le faire comme un devoir, mais du moins en estimant que ça fait partie, on estime que le cœur de notre journée est ici. Et ça nous apprend aussi que nous avons besoin du désert, que Jésus, il est dit dans l'Évangile, qu'il se lève et qu'il part dans un lieu désert. Donc Jésus nous montre que nous avons besoin du désert, en fait du silence et de la solitude pour pouvoir rencontrer Dieu. Parce que, comme dit saint Augustin, tu étais au-dedans quand j'étais au-dehors, et c'est dehors que je te cherchais. Saint Augustin a longtemps cherché Dieu, et d'abord extérieurement, par la philosophie, par l'amour humain, etc. Et finalement, il s'est aperçu que Dieu résidait au plus profond de lui-même. Mais justement, pour découvrir le plus profond de nous-mêmes, déjà faut-il faire taire les bruits superficiels, d'où le besoin du coup de ce silence et de cette solitude. Alors cette solitude, bien sûr, ça peut être un état physique, on a besoin de se donner des moyens concrets pour un petit peu faciliter la solitude, mais la solitude, ça doit d'abord être un état intérieur, plus qu'un état physique. Madeleine Delbrel, qui est donc une sainte du XXe siècle qui vivait au milieu de banlieues marxistes, au milieu des gens qui étaient assistantes sociales, qui avaient l'habitude de recevoir beaucoup de monde chez elle, avait l'habitude de dire que Dieu ne se rencontre que dans la solitude. Mais la vraie solitude, ce n'est pas l'absence des hommes, c'est la présence de Dieu. La vraie solitude, ce n'est pas l'absence des hommes, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que bien sûr, l'isolement physique peut nous aider à justement nous retrouver face à nous-mêmes pour rencontrer Dieu, mais nous pouvons aussi bien sûr prier dans le métro, prier dans la rue. Madeleine Delbrel, par exemple, quand elle était en discussion avec ces gens qu'elle recevait chez elle, elle avait l'habitude de prier en même temps pour ces personnes. Et donc nous pouvons bien sûr aussi, nous n'avons pas à faire un absolu non plus du cadre privilégié qu'on aurait, une petite cellule ou une église absolument. Et nous pouvons bien sûr, quand on n'a pas les moyens de nous isoler physiquement, quand même prier n'importe où qu'on soit, puisque la solitude est d'abord donc, cette présence à Dieu. Et le fait de dire aussi que la vraie solitude, ce n'est pas l'absence des hommes, ça nous rappelle aussi que la prière, ce n'est pas un acte égoïste qui nous coupe des autres, mais que c'est une rencontre avec Dieu pour mieux aimer les hommes après. C'est le moment où justement, il ne faut pas hésiter, même quand on est en famille, ou voilà, parfois on se dit « Ah, je ne veux pas aller faire ma prière quand même, ça va me couper, voilà. » Mais il ne faut pas avoir peur justement de prendre ce petit temps, parce qu'en fait c'est un temps où on va revenir à la source pour puiser vraiment l'amour justement par lequel nous pourrons ensuite aimer notre prochain.
Et du coup, il faut considérer justement que c'est un cadeau à faire aux autres aussi, de prendre un temps de prière, parce que finalement, ça nous rend plus disponibles aussi, et plus à même de les aimer. Et en plus de ça, bien sûr, de prier pour les autres. Et donc, en ce sens, on peut voir qu'il est important de vraiment prendre le temps dans notre journée, de venir à la source pour tout réordonner en fait à la lumière aussi de Dieu, pour être capable de voir que à la lumière de Dieu, tout se réordonne parfois différemment de ce qu'on avait prévu. Et personnellement, j'ai pu faire l'expérience au moment où je commençais à essayer d'avoir une prière personnelle, du fait que parfois il y avait des journées où j'avais l'impression que c'était le chaos total dans ma vie, que je gérais tout très mal, et à la fin de la journée, quand je me disais « mais qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas », je faisais le point, et en fait c'était toujours, je m'apercevais qu'à chaque fois c'était des journées où j'avais pas pris le temps de prier le matin, parce que j'étais trop retard, voilà. Et du coup, je pense que justement, il m'était important de prendre ce temps de prière aussi, au sens où ça va nous aider à réordonner à la lumière de Dieu toute notre journée, et à savoir mettre les priorités là où il faut. Je crois que c'est Saint-François de Sales qui disait « Moins on a de temps pour prier, plus il faut prendre ce temps », en estimant que justement, c'est parfois dans l'urgence qu'il faut d'autant plus tout réordonner à la lumière de Dieu. Alors pour revenir ensuite sur ce désert donc, où Jésus prie, ça nous rappelle aussi que la prière c'est toujours un lieu de désert, un lieu d'aridité et de sécheresse. Et je pense qu'on en fait tous l'expérience, mais la prière elle commence toujours par cette expérience de sécheresse qui est normale parce qu'en fait justement on n'est pas dans une relation avec un ami comme nous on va dire, où on a un contact en chair et en os. Mais là, on rencontre Dieu, et forcément, c'est une créature qui nous est infiniment supérieure. Et donc, forcément, le dialogue va être un petit peu différent, et ça nous déroute, et on ne sait pas comment s'adresser à lui. Alors, en plus, il ne nous parle pas en direct, alors qu'on aimerait bien. Donc, forcément, le fait de nous retrouver face à Dieu, et de nous retrouver un peu tout petit face à lui, ne sachant pas trop quoi dire, bredouillant un peu comme nous pouvons, c'est sûr que, du coup, c'est un lieu de désert, où forcément, on commence toujours un peu par le désert. Et je pense que ça restera le cas toute notre vie en fait. Parce que la prière, c'est d'abord justement faire l'expérience de notre pauvreté face à Dieu. Et c'est un lieu où on sait rarement comment s'y prendre en fait. Mais faisons-en justement une occasion de crier vers Dieu pour lui demander de l'aide et lui demander de guider lui-même notre prière. C'est un prêtre moi qui m'avait appris à commencer ma prière comme ça en disant Seigneur, je viens de prier mais je ne sais pas te prier. Je ne sais pas comment prier, mais je viens juste me tenir devant toi à tes pieds, et je ne sais pas quoi te dire en fait. Et en fait, de le formuler moi-même en commençant ma prière, ça m'a beaucoup libérée, parce que j'arrivais jamais en fait du coup à prier, je me disais tout le temps, mais je ne sais pas quoi dire, donc je ne vais pas aller prier, je ne sais pas quoi dire, ou alors je me réfugiais dans la lecture de la parole, voilà, mais sans jamais rien dire personnellement à Dieu. En fait, le fait de lui dire simplement les choses, en fait, je ne sais pas faire, je me suis rendu compte que ça me libérait déjà. Et que ça me plaçait déjà dans la posture de cet enfant qui ne sait pas trop comment s'y prendre, mais qui vient quand même se tenir en présence de son père. Et ce cas m'avait aussi conseillé de commencer ensuite ma prière par la prière du Bienheureux Charles de Foucault, « Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira », etc. Et ça m'avait un petit peu étonnée, parce que moi, cette prière, à la limite, je la priais plus le soir, pour remettre ma journée, voilà. Mais là, de la faire en commençant justement la prière, je trouvais que c'était assez beau parce que finalement ça nous rappelle que même dans notre vie dans notre vie spirituelle, justement on a des choses à abandonner à Dieu et que c'est parfois dans notre vie spirituelle qu'on a le plus de mal justement à lâcher prise. S'il y a bien un domaine qu'on aimerait bien pouvoir mener comme on veut, c'est souvent notre vie spirituelle en fait. Et souvent quand on dit à Dieu « je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira », souvent dans la prière justement on aimerait bien que ça roule comme on veut. Et du coup, de commencer par cette prière, ça peut nous aider justement à tout lâcher au Seigneur et à laisser conduire même la prière, quoi, et à accepter que ce soit parfois aride, voilà. Mais justement, en faire le lieu d'un abandon aussi. Et ça nous rappelle en plus aussi que la prière est d'abord un don de Dieu avant d'être un exercice héroïque qu'on aurait à faire nous-mêmes un peu à la force du poignet. Et le catéchisme de l'Église catholique est bien là-dessus, quand il parle de la prière, il dit « D'où parle-t-on quand on s'adresse à Dieu ? Est-ce que nous lui parlons des hauteurs de notre orgueil ? » Parce qu'en fait, justement, il faut un cœur humble pour recevoir le don de la prière. Et donc, tant mieux si nous faisons l'expérience de la pauvreté quand on commence notre prière, parce que ça va justement nous mettre dans une disposition où on va pouvoir se tourner vers Dieu.
et lui montrer qu'on n'y arrive pas. Donc montrons-lui justement simplement, commençons par ça peut-être, de lui dire « Seigneur, je n'y arrive pas » et demandons-lui avec foi la grâce de la prière. Et pour un peu nous rappeler justement que la prière est d'abord un don de Dieu, on peut peut-être revenir sur l'évangile de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. Donc Jésus demande à la Samaritaine de lui donner de l'eau, et donc elle veut lui offrir de l'eau. Et Jésus lui répond, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Et il me semble qu'on oublie parfois que ce n'est pas à nous en fait de faire l'effort d'aller puiser au fond de l'eau, au fond du puits d'eau, par des efforts un peu surhumains, à la force de nos bras, etc. Et justement que parfois c'est Jésus lui-même qui nous propose sur l'eau, et que parfois on la cherche même pas, en fait, on la lui demande même pas parce qu'on essaye de tout faire nous-mêmes. Et c'est Thérèse d'Avila qui, comme ça, elle utilise l'image du jardin pour décrire l'âme, et notamment dans la vie de prière, elle explique qu'il y a plusieurs manières d'irriguer notre jardin. Il y a justement le puits, où soit on va chercher nous-mêmes avec nos bras, et donc c'est très difficile. On peut aussi trouver des petites techniques, des leviers pour nous permettre de moins faire d'efforts. Mais on peut aussi trouver des canaux d'irrigation, on peut trouver des relais un petit peu qui peuvent nous aider. Et on peut aussi juste, tout simplement, attendre que l'eau de la pluie tombe et irrigue notre jardin. Et finalement, justement, demander la grâce de la prière, c'est peut-être ça, c'est justement simplement dire « Seigneur, donne-moi la grâce de la prière si tu veux, donne-moi ces gouttes pour arroser mon jardin. » En tout cas, ce qu'on peut se rappeler, c'est que comme Jésus avec la Samaritaine qui lui dit « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui demanderais à boire. » En fait, Jésus est le premier à venir à notre rencontre dans la prière. Et en fait, c'est pas à nous d'aller chercher. En fait, quand on se met en prière, c'est lui qui nous attend en fait depuis un petit moment et qui attend en fait qu'on lui ouvre notre cœur. Mais lui, il est déjà là. Et il a soif. Et il est heureux du coup quand on lui ouvre notre cœur. Saint Augustin qui dit « Dieu a soif que nous ayons soif de lui ». Et du coup, peut-être aussi qu'on peut commencer notre prière en sachant que Dieu nous attend, en sachant que c'est lui qui est là le premier et qui nous attend en fait depuis un petit moment. Et en disant simplement « Jésus, je crois que tu es là et que tu m'attends. » Et il me semble que parfois ça peut nous aider justement à ne pas faire de la prière juste un lieu où on prend le temps de méditer sur la vie de Dieu, la vie de Jésus, voilà, mais où on peut vraiment le rencontrer. Et on peut se rappeler que notre prière est avant tout une réponse justement à la plainte de Dieu qui a soif de notre amour, qui a soif de nous aimer. Donc, dans ce sens, notre prière, même si ça peut être une prière de demande, en fait, c'est d'abord une réponse à Dieu qui a soif de nous. Et du coup, n'hésitons pas aussi à lui demander son amour, parce que lui-même, en fait, a soif de nous aimer, de nous donner, en fait, tout ce qui est bon pour nous. Alors, ensuite, on peut, un peu comme on disait tout à l'heure, que la prière, c'est d'abord faire l'expérience du désert. On peut aussi dire que la prière, c'est l'expérience du combat, qu'elle reste toujours un combat. Et c'est ce qu'on peut voir. Je voudrais utiliser un petit livre qui est génial, que je vous conseille au passage, qui est un livre d'Adrien Condillard qui s'appelle « Quand tu étais sous le figuier », et où en fait il parle d'un épisode de l'Ancien Testament, où il est question de Jacob, et d'un passage un peu mystérieux où Jacob lutte jusqu'au lever de l'aurore avec quelqu'un. Il est dit, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et ensuite, la personne avec qui Jacob lutte lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. Donc on peut se demander un peu qui est ce personnage bizarre avec qui Jacob lutte, parce qu'on dirait qu'il s'agit de Dieu, mais c'est un petit peu étrange de voir Jacob lutter contre Dieu. Et en fait, la tradition de l'Église voit dans ce combat de Jacob une image de la prière. Et du coup, ça nous rappelle d'une part que la prière est quelque chose d'assez mystérieux et qu'on a du mal à en parler autrement qu'en récit imagé. Mais ça nous rappelle aussi que la prière est toujours un combat et que ça restera jusqu'à la fin de la vie. Et que même les moines qui sont censés un petit peu être les spécialistes de la prière, enfin, selon ce qu'on pense nous en tout cas qui ont dédié leur vie totalement à la prière, en fait, même eux, ils savent très bien que la prière reste un combat
pour eux-mêmes et que ça restera le cas jusqu'à la fin de leur vie. Donc en tout cas, il faut que ça nous libère un petit peu parfois de la culpabilisation qu'on peut avoir à ne pas arriver à prier, à se dire mais j'y arrive pas, je suis peut-être pas faite pour ça, voilà. Il ne faut pas que ça nous fasse renoncer à lutter, il faut plutôt que ça nous fasse nous dire que oui, c'est un combat et que du coup, bah oui, il faut y aller avec toute notre personne et toute notre énergie. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié en fait. Et donc justement, il faut que ça nous engage à donner le maximum de tout ce que nous sommes. Et le premier enjeu pour ça, dans ce combat, c'est d'abord d'être vraiment présent pour nous et pas envoyer quelqu'un d'autre à notre place. Et pour ça, je voudrais vous lire juste un petit extrait justement du livre sur ce fait de la prière comme combat et sur le fait d'y être présent nous-mêmes. Le premier enjeu, peut-être le seul enjeu, c'est d'être là, d'être vraiment là, de ne pas envoyer quelqu'un d'autre prier à notre place. Quand je dis quelqu'un d'autre, je pense au petit saint de Vitreau-Sulpicien que nous aimerions être. Cette version de moi qui n'a jamais de haine ni de colère dans le cœur, qui n'est jamais jaloux de personne, qui accepte joyeusement tous les événements comme l'expression de la volonté de Dieu. Il ne s'ennuie jamais à la messe et ne rêve jamais d'aller gambader au loin. Il est parfait, ce petit saint que j'envoie si souvent prier à ma face. Il n'a pas de défaut, ou plutôt, il n'a qu'un défaut, ce n'est pas moi. Si la prière est un combat, je ne le gagnerai pas en envoyant un petit saint de plâtre combattre à ma place. C'est à moi de m'y coller, avec tout ce que j'ai d'imparfait, de gênant, de honteux, de cassé. Tout ce qui n'est décidément pas présentable. Mes désirs et mes colères, surtout si cette colère est dirigée contre Dieu. Bien des gens se plaignent qu'il ne se passe rien dans la prière. C'est très souvent parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils n'osent pas être là, comme si leur vraie présence risquait d'indisposer Dieu. Comment pourrait-il se passer quelque chose alors que ce qui se passe dans la prière n'est pas, en tout cas pas d'abord, l'éclosion d'émotions spirituelles qui nous chatouillent joyeusement le ventre, mais la lente transformation sous le regard aimant de Dieu de toute cette matière compliquée qui nous constitue. Cacher à Dieu dans la prière ce qui nous préoccupe vraiment, ce que nous avons en nous, ce n'est pas seulement faire semblant de croire que Dieu peut ignorer quelque chose de nous, mais c'est comme si on demandait à un chirurgien de nous opérer, mais sur des photos seulement, sans toucher notre corps, et des photos nous montrant en parfaite santé naturelle. Alors, du coup, pour rebondir là-dessus, on peut voir que l'enjeu du temps à la prière, c'est d'abord nous-mêmes d'être présents à Dieu. Donc, bien sûr que lui est présent, mais du coup, l'enjeu est d'être présent dans toute notre personne, et du coup aussi de ne pas seulement avoir de belles pensées sur lui dans la prière, mais de lui parler, si nous voyons vraiment qu'il est là, parler directement plutôt que juste méditer sur lui. Parfois, on peut avoir la tentation de faire de la prière justement juste l'occasion de méditer sur Dieu, sur sa parole, etc., mais sans qu'il y ait un vrai cœur à cœur, un dialogue. Moi-même, je sais que pendant tout un temps, je prenais un temps pour lire les lectures du jour. Et en fait, en plus, j'ai fait des études littéraires, donc je prenais mon crayon à papier, je relevais les figures de style, ça m'amenait à des analyses super. Et à chaque fois, ça m'émerveillait un peu devant la parole de Dieu. Mais en fait, à chaque fois, ça me menait juste à faire une petite conclusion comme une analyse littéraire, mais ça ne menait jamais en dialogue avec Dieu. En fait. Et je me suis rendu compte, en fait, au bout d'un moment, que en fait, c'était un peu que je fuyais, parce que j'avais peur de me retrouver justement en silence face à Dieu. Et que j'avais peur soit de l'entendre, soit de justement rien entendre, mais que du coup je cherchais un peu à combler et à tout faire intellectuellement. Mais en fait la prière c'est pas un lieu d'abord intellectuel, c'est d'abord un lieu où, du relationnel, où du coup on est présent d'abord avec notre cœur et pas seulement avec notre intelligence. Bien sûr qu'on peut mettre notre intelligence au service de la prière, mais attention à ce que ce soit pas d'abord l'intelligence qui travaille, mais d'abord notre cœur. Et d'où l'importance du coup, même si nous prenons un temps de lecture qui est très sain, dans la prière. En tout cas, attention à ne pas nous en contenter de son temps de lecture, mais de toujours garder un temps de silence et de ne pas seulement nous contenter de réfléchir sur Dieu, mais de lui parler directement. Alors, pour finir, quelques outils peut-être pour nous aider dans notre prière quotidienne. Difficile de donner des outils puisque, tout comme chaque relation est unique, on aura chacun nos moyens d'entrer en relation avec Dieu. Déjà, il paraît essentiel quand même d'entrer dans le silence et la solitude, comme on l'a dit tout à l'heure. D'où le fait de prendre le temps de réfléchir à l'avance, si nous voulons prendre des changements dans notre vie de prière, à trouver une posture, un lieu et un moment qui soit privilégié. On se connaît nous-mêmes, sachant justement ce dont nous avons besoin.
pour trouver un petit peu la façon la plus adéquate pour nous, le cadre qui nous aidera à prier, justement. Après, en termes de temps de prière, c'est quelque chose, il me semble, qui est ajusté selon notre devoir d'État, et peut-être avec un prêtre. Parfois, par exemple, une mère de famille qui prendrait 2 heures d'oraison tous les matins, ça ne serait pas très juste. À l'inverse, je suis même pas parfois trop bavard pendant notre temps de prière. Tout à l'heure, comme je disais avec Saint François de Sales, qui dit « moins on a de temps, plus il faut prendre le temps de prier ». Et voilà, le temps en tout cas est à ajuster chacun selon notre devoir d'État. Ensuite, pour la prière en tant que telle, comment la mener, bah, déjà demandons l'Esprit Saint au début de notre prière pour justement qu'il nous guide dans la prière et que nous ne soyons pas nous-mêmes les maîtres de notre prière, mais que nous nous laissions vraiment guider. Ensuite, on peut bien sûr s'appuyer sur les lectures du jour pour méditer sur la parole, puisque la première façon dont Dieu nous parle, c'est d'abord par sa parole. Donc prenons le temps de la lire, cette parole, parce que n'attendons pas seulement des paroles qui nous viendraient d'une voix lointaine, voilà, mais on a déjà la parole de Dieu qui est là. Donc prenons le temps de la méditer, et notamment de méditer sur la vie du Christ. Et c'est Thérèse d'Avila, qui est donc une grande maîtresse de l'oraison, qui dit justement l'importance de mettre le Christ au centre de notre prière. Et d'où le fait peut-être de prendre par exemple l'image du Christ dans notre temps de prière, qu'on puisse regarder et qu'on puisse se sentir regardé aussi par son regard. En tout cas, de regarder son humanité plutôt que de vouloir s'échapper de notre côté incarné. Thérèse d'Avila elle-même, pendant longtemps, a commencé, ne sachant pas comment prier, par d'abord méditer sur l'humanité du Christ, et après certains... prêtre lui avait dit que peut-être qu'elle pouvait laisser tomber l'humanité du Christ pour partir un peu dans des envolées plus mystiques. Mais en fait, elle s'en rend compte qu'elle se cassait aussitôt la figure. Parce qu'en fait, on est des êtres incarnés et du coup, on a besoin de se rapprocher à l'humanité du Christ. D'où le fait qu'on peut vraiment s'appuyer dessus. Et je vous cite notamment un passage de Thérèse d'Avila. Nous ne sommes pas des anges, mais nous avons un corps. Vouloir faire l'ange pendant que nous sommes sur terre, c'est de la folie. Notre pensée doit avoir d'ordinaire un point d'appui, même si l'âme sort parfois d'elle-même. Aussi, elle est souvent si pleine de Dieu qu'elle n'a besoin d'aucune chose créée pour se recueillir. Et du coup, on a une pensée, et il faut qu'on prenne en compte que notre pensée, elle est là et qu'elle continue à tourner. Donc, plutôt que de vouloir nous extraire de tout ça, on peut en user intelligemment dans la prière, justement en nous servant par exemple de notre imagination pour, à la lecture de l'Évangile, essayer de représenter les choses dans l'espace et dans le temps, etc. Et du coup, appuyons-nous justement sur cette humanité du Christ pour... que ça nous serve de point d'appui justement pour notre propre humanité. On peut aussi s'appuyer bien sûr sur un lit spirituel. Thérèse d'Avila dit qu'elle a galéré pendant 18 ans avant de réussir à prier, alors qu'on a toujours l'image d'elle comme la super sainte de la prière. Du coup, c'est un côté rassurant, et elle dit elle-même que pendant très longtemps, elle avait un lit spirituel qui la guidait dans sa prière, et que ça peut tout à fait être un chemin, mais attention, il faut quand même que ça reste un moyen. Il ne faut pas que ça supplée encore une fois le dialogue avec Dieu. Il faut que ça nous y conduise, mais on ne peut pas en rester là. Il faut donc toujours garder, après un moment, après un temps de lecture, voilà, de méditation de la parole, il est important de toujours garder du coup, un moment de cœur à cœur avec le Seigneur du dialogue. Ensuite, bien sûr, on peut prier notre Père, qui est quand même la prière que Jésus nous a enseignée. Prenons le temps justement de ne pas multiplier forcément les paroles, mais de redire les paroles de notre Père avec foi. Et enfin, une petite suggestion, mais moi c'est quelque chose qui m'a aidé en cas de grande sécheresse dans la prière. Par exemple, moi, au début d'année, j'arrivais vraiment plus à prier, c'était quelque chose qui était très dur pour moi. Et en fait, on m'a conseillé de prier la liturgie des heures, donc les offices que les moines prient et qui rythment leur journée. Et donc en fait, la liturgie des heures, c'est en quelque sorte la prière de l'Église. Et c'est en fait une manière de, peut-être quand nous, on n'a plus les mots pour prier, quand on n'y arrive plus, c'est une manière d'emprunter les mots de quelqu'un d'autre. Et ces mots, c'est ceux de l'Église, en fait, que la tradition a donné en trésor, qui est la liturgie. Et donc, la prière de l'Église, on peut aussi retrouver un nouveau souffle dans la prière. Ça peut aussi nous aider d'emprunter les mots de quelqu'un d'autre. Et en plus, ça nous rappelle qu'on est porté aussi par la prière de l'Église, et notamment aussi par la prière de tous ces moines qui prient dans leur cellule. On n'est pas tout seul, en fait, justement, dans cette prière. On peut aussi se le rappeler quand on a du mal à prier que... Il y en a déjà d'autres qui commencent pour nous, en fait. Quand nous, on a du mal à prier, ben les moines dans leur cellule, ils sont là pour commencer justement cette prière et dans laquelle nous, on se glisse en quelque sorte, mais on n'est pas tout seul. Il y a la prière de l'Église qui peut aussi nous aider. Donc voilà quelques pistes
Je crois qu'après, on a un petit temps en fret où on peut suivre le même schéma que d'habitude avec quel point m'a touché personnellement, si un point qui vous a touché, et quel impact ça peut avoir sur votre vie quotidienne. Je ne sais pas. Tu peux regarder la question. Les questions, c'est d'abord quel point m'a marqué dans le propos. Et la deuxième question, c'est quel impact ça peut avoir sur ma vie personnelle, sur mon quotidien.